Derrière de bord d'Azeroth, let's go. D'abord, je vais meilleur, c'est avec le kill. Dès que t'as ton niveau 3, suis-je un tout. Vous avez 2 heures pour répondre. En vrai, non, ça fait partie du jeu. C'est contrable, donc non, ça fait partie du jeu. Meilleur, c'est le tueur, un des tueurs les plus faibles du jeu. Avec Sadon, effectivement, il devient très fort, mais ça reste contrable en vrai, donc. Non, moi, je trouve pas que tu sois un tout. Pour moi, vraiment, ça fait partie du jeu, poulet. Ah merde, je pensais qu'il aurait... qu'il serait parti, qu'il serait retourné au centre de la map. Ok, ok. Allez, bon, vas-y. I. Non? Ok. Bon, je pensais qu'il allait des dardes. Dis-moi que j'ai un crochet flagellateur par ici, ça serait vraiment cool. Ouais, parfait. Ok, on a le basement en plus qui est là, c'est cool. On a un trigène ici sympathique qu'on va essayer de garder. Donc, ok, on a un générateur ici, un générateur là. Le problème, c'est qu'on a la cabane à côté, donc ça peut être un peu chiant, mais. Contre un bon looper. On a 4 générateurs ici, en vrai, on a aucune raison de bouger de la zone. On va quand même rester un peu à distance du crochet pour qu'il puisse être des hooks. Pour pas qu'il y ait d'histoire de camp. Est-ce qu'on prend la chaise? On va la prendre quand même et puis on va retourner là-bas après. Bien joué. Nice, il baisse la palette, c'est parfait. On met le pop ici, comme ça il sert à quelque chose. Allez, on retourne sur notre, dans notre zone. En plus, on pousse Mickey là du coup dans la zone, c'est parfait. Ouais, comme ça, on a une chaise garantie. Malheureusement. Ah, c'est pas passé. Mais merde. Ok. Super. Là, y a personne. Non, pas d'intérêt. On met le pop ici. On laisse partir. On laisse partir, on prend pas la chaise, ça nous intéresse pas. On va back. La reprise du générateur, très bien, ils sont en train d'essayer de le forcer encore. C'est dommage qu'il soit bloqué en vrai. C'est une vitesse lui, donc. Eh mais c'est quand même vite. Allez, on fait péter ce générateur là et en même temps on va retourner donc sur le central. On va pouvoir remettre un pop dessus. Mais ouais, ils ont relancé ici. Regardez. On peut remettre un pop ici, c'est nickel. On est sur un troisième accrochage et on a toujours notre trigène. On est bien. On a un générateur au fond qui va tomber, mais on a aucun intérêt. Allez là-bas. Par contre, il y a une petite survivante dans les parages là. Eh, quoique, est-ce qu'on peut peut-être pas surprendre? Nickel. On va la poser ici. Ça va faire péter donc son générateur, je pense. Ils ont des hooks un peu tard, hein. Tac.
Ça fait péter ce générateur là, on a le pop, donc soit pour le centre, soit pour le générateur là-bas sur lequel il charbonnait. Salut Pseudobot, tu vas bien? Je trouve que Booba est le seul killer en ce moment à pouvoir stopper les jeunes rush avec les survivants qui ont de bonnes perks. En vrai, c'est un tueur, s'il est bien joué, qui peut être vraiment fort, effectivement, ouais. Oh merde. Tu vois, si tu fais pas des conneries comme ça, en vrai, tu peux effectivement faire de très bonnes games, en vrai, ouais. On va forcer, du coup, l'abaissage de la palette. Bien joué, bien joué, bien joué. Voilà, je peux tout perdre sur une chaise, hein, les amis. Hein. Ils ont pas relancé ici. Elle a pas relancé ici non plus, ça régresse tranquillement, ça marche. Voilà, ça fait plaisir. C'est nickel, on met bien la tête contre le mur, histoire d'éviter les flash saves. Nickel. Il y en a forcément un qui a relancé le générateur au passage, ils étaient trois dessus je pense. Donc ouais, je pense qu'il y en a un qui a relancé le générateur. Moins 40% au total. Pour 5 accrochages avec un trigène toujours présent. Elle va aller dans le casier. Il arrive tellement à se crocher, de ouf. Ah mais de ouf, hein. Je veux dire, écho de douleur, c'est hyper fort, mais quand ça va être nerf, ça sera toujours aussi fort. Enfin, ça sera moins fort, évidemment, mais ça sera quand même efficace. Il y aura juste plus l'information. L'information qui est quand même vraiment cool. Mais après, ça sera à vous de vous douter, donc voilà, d'accrocher, ça va faire péter tel générateur. Ils ont des hooks. On va éviter d'aller donc sur... Nick est là. Je suis là. Hein. Je dis que j'ai évité d'aller sur toi, mais tu me fonces dessus. Fais pas d'effort. On l'accroche pas, on va pas la tunnel, on la stock juste. Oh, il y avait quelqu'un là en fait. Allez, on tourne la palette. Ok, un autre crochet fascinateur ici. À chaque fois que j'ai accroché, c'était toujours sur un crochet fascinateur. C'est quand même incroyable. Hein. Voilà. Vas-y, pète-lui les rotules. Ça répare blessé. Je comprends. Hein. Là, ils veulent vraiment piller le générateur. Je ferai pareil. Comme mes chaises sont courtes à chaque fois. Allez, on la tue. On fait un petit détour pour la déposer là-bas. Est-ce qu'ils vont avoir le temps de terminer le générateur avant? Je pense que oui. Ouais, ouais. Donc là, c'est lequel qui est tombé? C'est le générateur de la cabane, mais on a quand même un trigène là. On avait 4 générateurs côte à côte, là on a quand même un trigène ici. C'est plutôt cool. Sachant qu'on a un kill en plus, on prend l'avantage. On va jeter un petit coup d'œil au générateur qui était là, qui était pas trop mal avancé. Il a 0. On va essayer d'éviter le tunnel, même si là j'ai plus grand chose d'autre à faire. On va la laisser au sol. On revient ici, on remet un pop ici. Est-ce qu'on a le time de mettre le pop là? Ah, c'est diabolique quand même. Ah, j'ai pas le time, j'ai pas le time. Malheureusement.
Ah si. Ça s'est joué de peu hein. Waouh, à une seconde près. Allez, on la slug. Elle a déjà été relevée. Elle a déjà été enlevée. What? Et soignée. Putain. Allez, bus magique. Il y en a une qui a déco, je sais pas trop si... Vas-y, on reprend. Bien joué. Ah merde. Bien joué en fait. Le Ace jouait bien franchement. GG à lui. Nickel. Ah mais là, meilleur Trigène ever en vrai, franchement, avec un Trigène comme ça. Avec Pop et le tour est joué, franchement. Nickel. Ah, elle est là-bas! Putain, franchement, ouvre les yeux, Varg. Y'a pas eu d'offrande du coup pour le choix de la trappe? Je sais pas pourquoi je partais de l'autre côté. Littéralement à l'opposé. Hein. Elle est juste là, je viens de la voir à l'instant. Bah, tu recules légèrement comme ça, t'es sûr en fait d'éclater la palette. Faut légèrement reculer du coup au moment où elle abaisse. Comme ça t'es pas stun. Et t'éclates la palette tout de suite. Et c'est chaud quoi. Si elle a pas un autre spot où pouvoir aller, ça pique. Eh bah nickel. Petite game sympa encore. Salut Kapuska, tu vas bien? J'arrive pas à avoir les deux add-ons que tu as mis avec la publicité. Je te montre ça tout de suite. Hop, j'ai mis du coup les marques de la bête, truc que je mets tout le temps, et Chili primé. Pareil, je mets souvent ces deux add-ons, en vrai c'est les plus intéressantes je trouve. Pour utiliser la tronçonneuse sur la longueur et pour avoir de la vitesse en plus. La vitesse de déplacement supplémentaire du coup quand tu utilises la tronçonneuse. Voilà.